Bonjour à tous, c'est Xenia Mustafalieva. Aujourd'hui, en partenariat avec Eurojim, je vais vous montrer comment j'accroche ma baguette à mon ruban. Lorsque j'achète ma baguette et mon ruban, j'ai tendance à avoir un ébrillon en fer. Je trouve ça assez dangereux, surtout s'il s'ouvre pendant un exercice. Donc je vous conseille de prendre un ébrillon en fil Sazaki, ce qui rendra les choses beaucoup moins dangereuses et surtout beaucoup plus simple à manier. Donc je vous montre tout de suite comment je procède pour accrocher la baguette et le ruban. Donc pour commencer, je vais tout simplement enlever l'ébrillon en fer et je vais juste laisser le petit anneau sur la baguette. Je vais ensuite prendre mon ébrillon en fil et tout simplement l'accrocher à l'anneau ainsi qu'au ruban. Donc tout d'abord, je vais l'accrocher au ruban. Faites attention de ne pas faire l'inverse, sinon vous ne pourrez plus l'accrocher à la baguette. Voilà, donc première étape faite, il est accroché au ruban. Et ensuite, je vais tout simplement l'accrocher à l'anneau. Et voici donc le rendu final lorsque j'ai accroché ma baguette et mon ruban ensemble. Et voilà, maintenant vous pouvez utiliser votre ruban en toute sécurité. Merci de m'avoir suivi et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur la chaîne d'Eurojim. Bisous !